Bonsoir, bienvenue chez Guitar Village où on aime avoir les guitares pas exactement pareilles que celles du voisin et du coup on les commande au custom shop en leur demandant exactement ce qu'on veut. C'est ce qui s'est passé par exemple avec cette magnifique Strat de fin 62, alors c'est une custom shop évidemment, c'est une relique et une relique plutôt raisonnable. Il avait évidemment une boucle de ceinturon. Elle a été un peu maltraitée. Là, on voit la couche d'après blanche en dessous. Bref, il y a quelques accros, mais dans l'ensemble, elle est tout à fait intègre. C'est comme ça qu'on reçoit la plupart des grades vintage au magasin. Donc, on peut témoigner du fait qu'effectivement, c'est tout à fait crédible. Sauf qu'elle est Daphné Blue. Ce bleu, donc, un peu plus prononcé que le Sonic Blue. Vous verrez, on a aussi une Sonic Blue, donc vous pourrez faire la comparaison au magasin. Là, à l'image, on le voit un peu plus clair, mais c'est un beau bleu bien layette, et je trouve ça absolument magnifique. Et limite turquoise sur certains reflets, et ça n'est pas pour me déplaire. Mais donc, tout ça pour vous dire que en 62, trouver une Daphné Blue dans cet état-là, on est sur le prix de 3 maisons et demie déjà, très clairement. Au-delà de ça, donc, elle a les micros bobinés à la main qui vont bien, les micros type 63 bobinés à la main. Et pourquoi, me direz-vous, fin 62, puisqu'elle est présentée comme une late 62, je ne sais pas. Voilà, des fois, il faut bien reconnaître que malgré mes recherches et interrogations existentielles, des fois, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, voilà, je sais pas ce qui s'est passé précisément mi-62 dans les specs d'une Strat pour que ça justifie d'être une fin 62 par opposition à une début 62, mais en tout cas, c'est une Strat dans les règles de l'art, une fausse sérielle absolument bluffante. Thank you.
Mm-hmm.